Bonjour à tous, merci de votre présence comme tous les mercredis. On est le mercredi 15 janvier, nous allons voir le KSW 310 avec Aviran, la synthèse des enseignements, M. Kesh et Carolina, et les nouvelles plasmatiques. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Merci Joël. Bonjour à tout le monde. Merci Luc. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Super. Oui, oui. Donc, bonjour à tout le monde de nouveau. Le 310 était relativement court parce que M. Kesh a dû partir en taxi pour un autre endroit, pour s'envoler dans un autre endroit de notre belle planète. Donc, c'était assez court et ça nous a donné la possibilité d'intégrer de nouveau une méditation que j'ai trouvée qui est formidable pour se rapprocher de notre âme. Et je ne sais pas si c'est un hasard. Je crois que de moins en moins à la justesse du mot hasard. Parce que hier, Carolina a parlé de ça, ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, soit elle a lu le bulletin, soit on est tellement branché qu'on pense et parle des mêmes choses tout le temps. Donc, cette séance aujourd'hui a pour titre Le chemin facile et méditatif vers votre âme. Et comme vous allez le voir, vous allez très bien comprendre ce que je veux dire. Pour faire ça plus agréable pour nous tous, j'ai changé un peu la configuration du programme aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude avec l'apéritif. Après, on va tout de suite embarquer le dessert pour se garder le plat principal pour la fin parce que j'ai préparé une méditation guidée que je vais faire live et sans musique pour cette fois-ci. Et c'est mieux, je crois, s'il n'y a pas autre chose après. Excusez. Donc, pendant que je parlais, vous avez sûrement lu le menu d'aujourd'hui. Donc, on va embarquer tout de suite. Le jeudi passé, cette émission, le 310, était sous le titre ou sous le thème de la paix mondiale pour toujours enfin. Et M. Kesh a répété beaucoup de fois pendant la session que la paix est atteinte sur la planète, règne maintenant la paix et elle va être éternelle. Il n'y a pas de chemin de retour. Quand vous avez suivi l'enseignement sur l'âme, vous savez aussi pourquoi c'est comme ça. Parallèlement à ça, Carolina a publié un petit poème, je dirais, que M. Kesh nous a donné pour cette occasion, que j'aimerais vous lire. La pluie est l'amour du Créateur à l'homme. Elle ne connaît ni race, ni religion, ni amant, ni ennemi, ni enfant, ni adulte, ni homme, ni femme, ni arbre, ni animal. La pluie nourrit tous également et avec la même mesure. J'aimerais que l'homme soit comme la pluie. Alors, toutes les guerres et les douleurs s'arrêteront, et mon amour pour l'humanité se déverse comme la pluie sur tous les êtres de la même façon. C'est très joli, ça parle très éloquemment de l'amour inconditionnel qui est à la base de notre vie. Donc, après, il a un peu élaboré. Quand l'homme ou l'humanité
à partir de maintenant, n'a plus les guerres et l'armement comme obsession principale. Ça libère beaucoup de ressources, aussi de l'argent, et aussi beaucoup de ressources où va notre attention. Et il dit, ce qui est aussi très logique, que si cette addiction est comme partie ou en train de partir, donc ça prend quand même un temps pour désaffecter tous les secteurs de ça, à ce moment-là, va pas avoir une nouvelle obsession, mais il y aura la place pour accueillir d'autres thèmes qui sont très importants pour nous, comme par exemple la science et la technologie. Et ça me rappelait le projet Venus, The Venus Project. Ça fonctionne depuis très longtemps. Ça fonctionne, c'est une philosophie qui est aussi basée sur les décisions dans le monde ne devraient pas être prises à partir d'une religion ou à partir d'une politique, mais à partir des sciences. Comme ça, les décisions peuvent être comprises par beaucoup plus de gens et on peut être plus facilement d'accord ou pas d'accord. En fait, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord, il s'agirait plus de comprendre, de connaître et comprendre. Donc, et le monsieur s'appelle Jacques, je ne rappelle pas son nom de famille, il a déjà décédé, donc j'ai imaginé, comme M. Keshe a dit ça, j'imaginais lui. J'ai vu plein de vidéos de lui où il parlait, il proposait son projet. Comment lui, il va se réjouir dans son âme maintenant et aider ce processus parce que c'est exactement ça ce qu'il voulait. Ensuite, M. Keshe a continué. Nous avons utilisé le pouvoir de la vapeur pour amener l'humanité dans une nouvelle ère technologique. Maintenant, nous utilisons le pouvoir du plasma et le pouvoir de l'âme pour changer complètement les voies de l'humanité. Un tout nouveau départ. Formidable. On est tous embarqués avec ce joyeux couple qu'on voit sur la photo. Et à ce moment-là, il nous a demandé de supporter l'humanité dans ce cheminement. Donc, j'ai écrit un souhait que vous pouvez appuyer en prononçant après que vous êtes présent. À tous les êtres humains qui en ont besoin, une condition. Merci. On ne t'entend plus. Oui. Ah. Peut-être tu peux recommencer au début. Je donne mon âme. Après, au milieu, je n'ai plus entendu. Apparemment, la connexion au Québec n'est pas très bonne. Peut arriver. Il va se reconnecter, je pense. Oui. C'est besoin de coucher autre application sur l'ordinateur, la musique ou autre chose ouverte. Oui.
J'espère qu'il ne parle pas dans le vide. Qu'il a bien vu qu'il était déconnecté. Vous m'entendez? Il y avait comme... Ah oui, ça y est, ça a coupé. Ok. Mais on n'a pas le... On n'a pas le live, là. Oui, je vais le remettre. Et si tu peux recommencer juste au texte du bas, là. Ça, je au dois... poème. Ça doit être ça, j'imagine. Pourquoi ça fait pas... Ah, et c'est là. Ça. Ça y est, il y a le... Oui. Moi, la figure noire, c'est devant le, les univers, c'est moi. alors, j'ai ajouté, et ça, je trouve que c'est une bonne idée d'ajouter à tous nos voeux, n'est-ce pas merveilleux, parce que ça nous met dans, dans cet état très, très propice de ce pouvoir qui n'est pas un pouvoir pour nous, mais c'est un pouvoir... pour, tout, pour amener toute l'humanité vers la paix et le bien-être. Ensuite, comme d'habitude, il y a un autre brin d'information sur l'unité d'amélioration universelle. Il a comparé l'unité avec un projet russe qui s'appelle Tacomac. C'est que vous voyez sur, le, sur l'image. C'est un bidule, un système qui est capable de contenir avec des champs magnétiques très très forts un plasma chaud comme soleil, genre soleil. Et ça, ils font ça pour être capable de prendre une petite partie de l'univers infinitésimement petit. L'analyser et essayer de comprendre. Mais l'unité universelle, on peut, en étant à l'intérieur, repliquer n'importe quel endroit de l'univers à l'intérieur de la capsule, si on veut, pour la voir, la sentir et l'étudier. Et évidemment, si on peut faire ça avec toutes les endroit de tous les univers, on peut aussi le faire avec les planètes qui nous sont plus proches ou même sur la Terre, des endroits qui sont difficilement accessibles pour nous, comme les centres de tremblement de terre ou la zone d'éruption d'un volcan ou le cœur d'un ouragan, des choses comme ça. Et il a dit ce qui est c'est très bon de connaître ça. Pourquoi c'est incomparablement meilleur outil de recherche l'unité? Parce que le tokamak par exemple ou autre technologie que la NASA peut-être a développé, ces technologies sont basées sur les champs magnétiques aussi, mais les champs magnétiques produits à partir du comment on appelle ça, à partir de la matière, tandis que les champs magnétiques avec lesquels nous travaillons dans la science du plasma sont des champs magnétiques qui viennent du plasma, si on veut, du centre de tous les univers. Et par ce fait même, la puissance de nos champs, si on peut dire ça, est beaucoup plus grande que les champs magnétiques en provenance de l'état matériel qui sont justement restent limités à l'état matériel. Donc, pas vraiment très grand. Ensuite, M. Kesh nous a annoncé quelques nouveaux systèmes. Alors, on pourrait comparer
le KFSSI ou la Fondation Keshe avec une poule qui pond maintenant presque chaque semaine d'autres œufs. Et jeudi passé, et M. Keshe a annoncé un nouveau système de capturation du CO2. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la même chose qu'un système de production du gaz, CO2 surtout. Parce que le CO2 crée un champ magnétique gravitationnel qui a la force du carbone. Donc, ça va attirer, c'est comme un aimant, on crée comme un aimant sur le niveau plasmique, un aimant qui attire le carbone dans l'atmosphère. Nous, l'humanité, depuis la révolution industrielle, on a de plus en plus de problèmes avec le carbone, pas vraiment le carbone, mais une molécule qui contient le carbone, c'est le CO2, et ça s'appelle modernement gaz à effet de serre. Donc, avec cet nouveau système, il est mis en place pour séquestrer le carbone, soi-disant le CO2, de l'atmosphère. Ça va avoir l'air des panneaux solaires, donc ça va être plate. Ça peut être monté sur les toits d'une ville, par exemple, et ça va dans l'aval créer naturellement beaucoup de gaz CO2. Et ces gaz CO2, on pourrait les utiliser pour assainir les eaux usées. C'est un autre grand défi pour l'humanité. Parce que beaucoup de cours naturels ou nappes phréatiques sont attaquées par nos eaux usées, pipi caca. Et à ce moment-là, on pourrait non seulement nettoyer les eaux usées avec le gaz CO2, mais aussi augmenter la pureté et la force de se auto-nettoyer de l'eau elle-même. Donc, notre sœur eau va être très content. Un autre effet est si ça s'est installé dans des villes, donc ça veut dire mondial va être augmenté beaucoup. Ça va être comme sur chaque toit. Et ça va changer, évidemment, les champs magnétiques de la Terre, sur la Terre. Et ça va faire que, par exemple, M. Kerr a mentionné deux effets. Un, sur les animaux qui sont ici, qui vont être plus facilement nourris par le CO2, le champ des CO2, pour qu'ils ont moins besoin ou ils sont moins portés à tuer d'autres animaux pour se nourrir, exactement comme nous, avec les poulets et les bœufs, les poissons et tout ça. D'une autre part, et ça serait que les animaux arrêtent d'être carnivores avant nous, hein, c'est un peu honteux, je trouve. Donc, il faudrait que nous aussi fassions un peu. Nous, ça devrait faire le même effet sur nous qu'on se nourrit en partie de ça et on fait plus facilement le trajet ou la transformation de se nourrir par la matière vers l'alimentation par le plasma. Changement que l'augmentation du gaz sur la planète peut apporter, c'est par rapport aux émissions causées par des bestiaux. Par exemple, les criquets, j'ai vu ça une fois dans notre un show grasshopper. Et dans lui, ils ont mangé toutes les feuilles de notre jardin. Dans la Bible, il y a plein de
récit de ça. Et ça arrive toujours dans les pays chauds qui ont de toute façon pas la facilité de produire les nutriments pour le peuple. Ça va être très bas. Ça va comme ça. Ça nous amène un autre effet, le même effet, parce que cette épidémie arrive parce que se reproduisent d'une façon hyperbolique, c'est-à-dire exponentielle. Et le CO2, parce que c'est le CO2, c'est le grand agent d'équilibre dans le monde des acides aminés, ça va aussi avoir... Oups, ça a coupé. Une fois de plus, c'est pas grave, on va le retrouver. Voilà, je suis revenu. Ça se peut que c'est mon réseau qui collapse des fois. Parce c'est pas que, grave. C'est pas grave, merci. Là, on va retrouver notre truc, voilà. Ouais. Alors, on était avec les animaux de ruelle. Les Latinos, leur façon de combattre le trop de chiens, trop de chats, c'est de les empoisonner. Ou si c'est ce qu'ils pensent est encore plus humain, c'est qu'ils demandent aux touristes féminines américaines de payer pour faire stériliser tous les chiennes et les chattes. Et les deux façons sont violentes, de toute évidence. Et c'est mieux quand installe les panneaux qui séquestrent le CO2 pour équilibrer le taux de reproduction de nos amis cats. Voilà. Ensuite, il a annoncé un autre système de santé pour les fermes, cette fois-ci pour l'élevage des animaux. Vous savez probablement que quand vous mangez la viande qui n'est pas d'origine de production biologique ou organique, vous courez beaucoup de risques de manger beaucoup plus de hormones et d'antibiotiques et toutes sortes d'autres qu'on appelle au Québec cochonneries que vous aimeriez. Vous voyez ça si vous allez à la plage. Vous voyez depuis un bon bout des hommes qui ont aussi beaucoup de seins que les femmes des fois. Et ça, c'est pas parce que le champ magnétique de la Terre change. C'est plus parce que les hommes mangent beaucoup de viande et c'est plein de hormones et voilà, ça pousse des seins. Et depuis le bas âge, les enfants mangent ça, donc ça fait ça. Et cette nouvelle technologie, elle est semblable à la technologie pour l'agriculture avec les plantes, dans le sens que on va augmenter la productivité de l'agriculture avec les animaux par le plasma qui est non violent et non intrusif. Comme ça, les élévateurs n'ont plus besoin d'acheter ces produits et les donner à leurs animaux. Mais ça fait aussi que ça aide à purifier les animaux qui sont déjà ces substances en eux pour se débarrasser de ça. Donc, si vous voulez continuer à la viande, vous pourriez faire ça avec un esprit beaucoup plus calme. D'ailleurs, le système de capture CO2 va être proposé début février
dans un mois au Mexique, pendant qu'un mois plus tard, ça serait le système de santé pour les fermes. Ça va être à Kenya au début du mois de mars. Ensuite, pour la conférence à Téhéran, M. Keshe nous a demandé, il est en contact avec le gouvernement iranien, de nous demander demander le visa le plus tôt possible parce que le gouvernement iranien, lui, a demandé qu'eux, ils voudraient les noms de tous les participants au moins 45 jours avant la conférence, c'est-à-dire début mi-avril, il faudrait se inscrire. C'est ça. J'ai déjà dit la dernière fois que le coût de participation inclut les dîners ou les déjeuners, comme disent les Français, c'est 300 euros pour les 4 jours. Il a aussi parlé de la conférence à Malte qui va probablement pas être une plateforme pour une autre présentation d'une autre technologie, mais le temps que la Fondation Keshe passe là-bas va être pour faciliter le déménagement ou l'aménagement du siège social de la Fondation Keshe, Conseil universel et Conseil de la Terre à Malte. Donc, c'est beaucoup de discussions entre la Fondation et autres organismes avec des représentants du gouvernement de Malte. Vers la fin, M. Keshe a proposé un truc qui me semblait très chouette. Il aimerait que nous développions un système de maison, pas dans le sens de construction, même pas dans le sens de oasis qui va nous nourrir et qui va nous protéger des intempéries et toutes sortes de choses comme ça, mais un système qui nous fait nous réjouir de l'endroit où nous sommes comme maison. C'est-à-dire, c'est plutôt un programme d'appréciation. C'est un programme qui devrait jouer sur, un projet qui devrait jouer sur le plan émotif plus qu'autre chose. Alors, ça, il a demandé si quelqu'un a des idées ou tout le monde qui a des idées, il aimerait que ça soit ajouté aux projets qui vont se développer sur le canal des enseignements privés. Si vous voulez participer dans le bulletin PDF, vous trouvez sur aussi le site de la Fondation Éducation, sous l'onglet Éducation, vous trouvez le lien pour vous inscrire comme étudiant privé. Ça coûte 100 euros à l'année. Là, vous avez aussi la possibilité d'étudier. Les vidéos ou les présentations sont classées selon langue et aussi selon sujet, public, privé et tout ça. Alors, vous pouvez choisir ce que vous intéresse et vous plus approfondir vos connaissances du monde du plasma par ce biais-là, par les vidéos. Ça, c'était tout sur l'ordre d'œuvre. On va maintenant ajouter le dessert à l'ordre d'œuvre. Lai Yin Stenquist, il a envoyé un témoignage d'un ami à lui ou une amie qui avait une bosse sur la gorge. Sur l'image à gauche, vous voyez la bosse. Il a traité cette condition-là. Il faut dire que la personne, elle voulait pas aller se présenter avec ça chez un médecin parce qu'elle avait pas de très bonnes expériences et elle avait effectivement très peur de se faire prononcer ou diagnostiquer un autre cancer. Donc,
elle a confié sa condition à la Yin. Et lui, il a fait deux patchs CO2, un à 100% et un autre patch dilué à 50%. Et la personne les a appliqués sur la gorge, un en avant, l'autre en arrière. Et après 2 jours déjà, la bosse a visiblement diminué le volume. Et après 2 semaines, c'est pas vrai, c'est très court. Après 2 semaines, vous voyez sur la deuxième photo, vous voyez plus rien. Ça, c'est le très bon résultat de son expérience. Ensuite, Michael Neuville, il nous a donné une autre idée que je trouve c'est une très bonne idée pour augmenter notre taux de fabrication de GANS. Il a, au lieu de prendre des plaques nanoplaquées, il a pris un fil de, comme haut-parleur, un fil multibrin. Il a effiloché un peu pour distancer les brins et il les a nanoplaqués. Je me rappelle à l'époque quand on faisait les premiers magraphes, M. Kesh a dit qu'il ne faut pas utiliser des fils multibrins pour les magraphes parce que ça donne des champs trop chaotiques, si je me rappelle bien. Tandis que dans cette situation, donc vous voyez sur l'image à gauche, il a mis une plaque de zinc, elle a relié avec un fil nanoplaqué avec ce tas de filaments minces, cuivre nanoplaqué, et il a augmenté sa production de beaucoup. Vous voyez en bas, l'image à droite en bas, c'est, je crois, dans 2 litres de liquide, il a fait comme... C'est presque un cinquième, c'est 1, 2, 3, 4, oui, plus qu'un cinquième de 1 litre, ça fait 200, plus que 200 millilitres en 72 jours. Et ça, c'est sans électricité et c'est très, très bon résultat. D'ailleurs, je peux déjà vous mettre l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Il y aura une nouvelle sur comment augmenter le taux et la pureté du GANS, c'est-à-dire la force du GANS, par les champs plasmiques tout court. Troisième, est-ce que Frank nous a envoyé un PDF avec son expérience, son bain de Noël? Et s'il est là, est-ce que tu voudrais l'expliquer? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Aviram. Bonsoir. Oui, donc alors, pour l'expliquer, oui, c'était l'après-midi du 25 décembre de l'année dernière où j'ai décidé de prendre un bain en fait avec les 4 eaux plasmatiques, donc CO2, ZNO, CuO et le CH3. Donc, les proportions, j'avais mis, voilà. Effectivement, c'était 1 litre de chaque eau de GANS et 1 demi-litre pour du CH3. Dans un premier temps, en fait, j'ai récupéré les températures au fond de la baignoire et l'autre en surface. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'effectivement, la température mettait énormément de temps avant de baisser d'une manière significative. Donc en fait, ma compréhension a été bousculée parce que ça fait 10 ans que j'ai cette baignoire. Des baignes, je n'en prends pas toujours, certes, mais je refroidis très vite. Et je connais les conditions voilà, de refroidissement de la salle de bain et de mon nom. Sachant que là, c'était surprenant parce que je m'apercevais que l'eau ne refroidissait quasiment pas. Alors, c'est mon cerveau, en fait, mon cerveau, oui, c'est ce qu'on peut dire, ma compréhension était bousculée parce que je n'avais jamais vécu une telle situation. Donc, j'ai pris un thermomètre et après mon bain, j'ai continué à relever
heure par heure, les températures en surface et au fond de l'eau. Et ce qui est surprenant, c'est que les températures se sont mises finalement à baisser d'une manière significative au moment où j'ai décidé d'arrêter de mesurer. Donc, je pense qu'avec mes intentions, j'ai quelque part cassé le processus de champ qu'il devait y avoir dans ce bain. Et donc, ça mérite d'être beaucoup plus étudié en détail et avec une eau témoin, je dirais, à côté, qui n'est pas pragmatique, hein, dans les mêmes conditions. Et voilà, de constater d'une façon un peu plus, je dirais, scientifique, au-delà d'un simple bain. Très bien, merci. Ce que j'ai aimé avec ton... ce que j'ai plus écrit dans le bulletin écrit PDF, je vous suggère bien de lire le témoignage parce que ça parle beaucoup plus du côté émotif et j'ai trouvé ça plus très très joli. Merci. Je t'en prie, Vera, merci. Effectivement, au-delà des paramètres techniques, j'ai eu énormément d'émotions, vraiment plus proche de mon âme aussi. Enfin, c'était touchant. Mon âme a été touchée scientifiquement et poétiquement par là, je dirais. C'est vraiment très surprenant et c'est difficile à mettre des mots là-dessus, en fait. Oui. Franck, c'est Joël à l'appareil, là. Oui, Joël. Salut. Dis-moi, quelle était la température ambiante de la pièce, tu le sais, ça? Oui, je l'avais marqué aussi dans mon petit rapport, là. C'était 22 degrés. Ah ouais, non, mais là, il y a... Voilà. Ouais. Mais bravo. Oui, voilà. Ça veut dire la température de l'eau, même après 18 heures, n'a pas atteint 22 degrés. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et 18 heures, c'est lent. Ah ben carrément, c'était le lendemain et donc je me suis levé, j'ai pris la température et j'ai vu que l'eau était à la même température, grosso modo, que la température ambiante de la pièce. Quoi. Et encore, il y avait un ou deux degrés de plus. Quoi. Voilà, donc j'avoue que c'était surprenant. Ouais. Donc je pense que si vraiment on creusait un petit peu plus... comme je disais scientifiquement, je pense qu'on pourrait étudier carrément un système de conservation des déchets et qui pourrait être applicable à tout un tas de domaines de la vie de tous les jours. J'ai une question aussi. Est-ce que tu as un magrafe dans la maison? Alors, oui, j'en ai même deux. Ah. J'ai même deux magrafes et c'est vrai qu'il y en avait un qui est pas très loin de la baignoire et en dessous. Donc, effectivement, j'ai pensé aussi à ça. Je ne l'avais pas stipulé dans mon petit rapport, mais il est fort possible qu'il y ait eu aussi des interactions avec le magra. Mmh. Très bien, merci. Je t'en prie. Merci à vous. Ensuite, le dernier bonbon du dessert, ça vient de Christian Mégaline. Qui a eu, je trouve, une très bonne idée. Il a fait des structures pour tenir les bobines et aussi les condensateurs en plâtre de Paris. Donc, il a fait une forme négative et il a coulé le plâtre dedans. C'est très facile à faire. On fait un positif, on peut se faire ça en plâtre ou pour qu'est-ce qu'on voudrait boire. Et après, il y a du silicone liquide qu'on peut peinturer par-dessus plusieurs couches. Et après, on a un modèle comme pour les faire des savons et des choses comme ça. Le silicone ayant l'avantage que ça se démoule super facilement, bien qu'on a, et en plus, on n'a pas besoin d'un agent démouleur. Si on fait, par exemple, un moule en plâtre ou autre chose. J'ai ajouté en bas une recette comment on peut faire le plâtre plus dur
parce que le plâtre, c'est cassant. Et surtout les pattes, vous voyez sur le modèle pour les pour tenir les bobines, ainsi que le faut driller comme ou faire couler pour les condensateurs le trou pour la tige centrale plus les papiers avec le gants. Donc le trou, ça peut pas être super mince non plus. Et pour renforcer le plâtre de Paris, on peut faire un mélange de parties de plâtre de Paris, par une partie d'eau, par un quart de partie de colle blanche. Ce qu'on peut aussi prendre, c'est ce que les enfants utilisent, la colle blanche, c'est très voisin aussi à la colle de menuiserie. On ne prend pas, évidemment, j'ai mal écrit ça, il ne faut pas juste prendre de l'eau, on prend de l'eau CO2 de toute façon. Ou un autre GANS qu'on veut, on peut expérimenter en fait l'eau de GANS de toutes les quatre GANS. On pourrait à ce moment-là aussi faire peut-être chaque étage, parce que quand on fait des magrafes première génération, les boules, les balles de ping-pong sont remplies avec différentes GANS. Donc on pourrait fabriquer chaque structure pour chaque étage avec le GANS qui est prévu pour cet étage-là dans les boules de ping-pong. Et là, on peut aussi jouer avec si on met juste, on fait quand même une tasse d'eau, ça va être probablement que le contenu ou la force de champ de la balle de ping-pong qui contient, je crois, 32 millilitres va être beaucoup moindre que l'eau de GANS qui est dans le plâtre. Et ça fait, on peut encore à ce moment-là peut-être remplir les balles de ping-pong avec une diluation plus prononcée, c'est-à-dire un par 10, un par 200, whatever, pour créer une interaction, un champ dynamique entre la structure et la balle de ping-pong. À la fin, j'ai mis un joli vidéo que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle Manger des Twinkies avec des Twinkies. Ça existe aux États-Unis. C'est des gâteaux d'éponge, genre éponge, les garçons aiment ça. Et ce garçon-là, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Il a toute une mission avec ça. Et c'est touchant. Et c'est bien filmé. C'est vraiment, j'adorais. Et pour ça, j'ai partagé avec vous. Maintenant, on va partir pour le plat principal qui est, je vais vous proposer ou vous rendre familier une approche méditative et facile pour vous rapprocher de votre âme à long terme. Ce n'est pas un truc qu'on fasse une fois et whoop, tout de suite, après 5 minutes, on est très proche de l'âme. Ça peut être ça, mais souvent ça prend un genre de sadhana, un genre de discipline qu'on fait tous les jours. Et cette discipline-là que je vais vous proposer, elle est très douce, elle est très fun. Vous allez aimer faire ça. Moi, je le fais tous les soirs et aussi dans la journée. C'est vraiment un truc formidable, vous allez voir. Il est tiré d'un texte qui était écrit par Neville Goddard, que vous voyez sur la photo. Son texte s'appelle « The Coin of Heaven ». « Coin of Heaven », ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire quelque chose comme la monnaie du ciel. Alors, dans son texte, qui est basé sur un discours qu'il a donné,
il pose à son public une question très provocante. Avez-vous vécu, demandez-vous, j'aimerais tout le monde qui m'écoute se poser cette question-là. Avez-vous ou ai-je vécu ma vie au point que je désirerais la revivre à nouveau, la même vie? Il y a quelques-uns parmi nous qui vont dire oui. Et je crois qu'il y a aussi quelques-uns ou quelques-unes qui vont dire ouf, non, pas vraiment. Ou peut-être oui, à partir de quand j'ai rencontré, quand M. Keshe a commencé le soul teaching. Cette question est liée à un phénomène de rail qui se produit en vie. L'appliquement, cette présence des rails est inconscient à nous, c'est-à-dire on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce que beaucoup de religions disent ou à l'un de cette qui est pèlerinage à la vallée de la misère pour arriver à la misère dans un genre de jardin d'Éden au paradis où on trouve la récompense pour toute la souffrance qu'on a eue pendant toute notre vie. Alors, le christianisme dit ça clairement que au-delà de cette vie-là, il y a une toute autre vie qui va être meilleure si on n'a pas trop rouspété à cause de notre souffrance. Mais M. Neville Goddard, il ne formule pas ça dans nos mots, mais quand on l'écoute ou quand on le lit, on sent qu'il est très proche de son âme. Il dit, j'ai deux regards. J'ai un regard avec mon œil physique et j'ai un regard intérieur. Et souvent, dans ce texte-là, il parle, si je pourrais vous amener à mon intérieur, vous pouvez voir par mon œil intérieur, vous pourrez voir que les gens que vous voyez, c'est la 25 millième fois qu'ils font exactement la même vie. Ils ont peut-être une circonstance légèrement différente, des technologies légèrement différentes, mais la misère ou la façon comment la misère est créée, elle reste complètement unique. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc, il dit, croyez pas à toutes les religions ou qui que ce soit qui vous dise après cette vie, ça va être meilleur, ou une autre vie, ça va être meilleur. Comme si on évolue en vie, c'est cette vie-ci, comme on pourrait dire on ne t'entend plus. Non. Là, je dois repartir le truc. Ah. Et revenir. Revenir, qu'est-ce que ça va avec ça? Non. Ça va avec. Moi, je ne suis pas en. Start from here. Là, on va faire ça. Voilà. Donc, il a déjà dit ça et on a vu ça.
Donc, comme Eckhart, il formulerait la même chose, pas étalée sur toute une vie, mais il va dire, le prochain moment, c'est ce moment. Si on n'arrive pas à atterrir ou à se planter vraiment dans le moment présent maintenant, on n'arrivera pas le prochain moment. Parce que, pourquoi? Parce que tout dépend toujours de notre attention et intention. Si on ne s'y met pas, ça n'arrive pas tout seul. Il n'y a pas un sauveur, un saint sauveur qui va nous tirer par les cheveux vers l'illumination. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, la grande question est, est-ce qu'on veut suivre les mêmes rails qui sont posés, pas par nous-mêmes vraiment, mais par le système de notre société, l'économie de notre société, l'histoire de l'humanité, bla 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 bla. Tout ça, si on vit tout ça sans jamais arrêter pour réfléchir, on vit la vie d'un biorobot. Anastasia appelle ça biorobot, qui sont chair et os, ils sont composés d'aminoacides, ils ont plein de plasma et de gaz à l'intérieur, mais ils n'utilisent nullement. Ou on a des traces qui sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus enjolivées, beaucoup plus angélique, beaucoup plus ludique, c'est des traces qui se font par la vivacité. Donc, ça veut dire, si on veut être bio-robot, on ne t'entend plus. On peut paraphraser ça comme état de l'éveil. Est-ce que tu pourrais répéter parce qu'on n'a pas entendu. Voilà, si tu parlais des robots, si on veut être un robot, après on n'a pas entendu. Là, on n'entend plus rien. Tu nous entends, Viram? Un peu chaotique, la connexion. On n'est pas arrivé à la fin. Il y a encore des choses qu'il a préparées, t'as vu. Là, il n'est pas au Canada, il est en Amérique du Sud ou au Guatemala, je crois, je ne sais plus. Ah, d'accord. Ça a posé des problèmes de connexion. A l'air de vouloir revenir. Donc voilà, de retour.
Share. Voilà. Alors, encore une fois, le robot. Le robot est la même chose que nous. Il est chair et os, il est plein de gaz et de plasma, mais il n'est pas conscient qu'il fait toujours les mêmes choses parce qu'il pense que c'est la seule chose à faire. Il ne se rebelle jamais contre la religion de ses parents. Il fait la profession que probablement qu'ils sont considérés bonnes par ses parents et les pères et blablabla. Il vit toutes sortes de vies, mais pas la sienne. C'est ça la différence principale à une vie qui a aussi suit une trace, mais la trace n'est pas tout droite, elle n'est pas en fer, elle est très multicolore, elle est très jouissive, elle est très ludique. Et pour arriver à avoir une vie comme ça, ça prend un éveil. Ça, il y a différentes écoles de spiritualité, les nomment différemment. Eux, ils veulent dire c'est l'ouverture de l'œil intérieur, du troisième œil. Nous allons dire c'est le rapprochement de nous à notre âme ou l'alignement de nous avec notre âme et ainsi de suite. Et une fois c'est arrivé, cet état d'éveil, on va trouver c'est le plus précieux qu'on peut avoir. On ne vendrait ou échangerait pas pour aucune fortune aussi grand elle peut être dans le monde matériel. Alors ça, c'est la réponse à la question. Si vous avez la seule façon que vous pouvez répondre « Oui, je veux vivre cette vie encore une fois, je ne peux pas arrêter », c'est quand vous êtes aligné, que nous sommes alignés à notre âme ou notre œil intérieur, comme M. Neville l'appelle, est ouvert. Là, un peu écrire en détail de notre, avec les mots, pas de Neville Goddard, mais les mots de M. Keshe, les vocables de la science du plasma. C'est la grande image, on voit le Unikos, tous les univers qui sont sur cette image-là, et du centre de tous ces univers arrivent des paquets d'énergie magnétique qui, s'il n'y a pas d'interaction, vont retourner au centre. Ça, c'est la petite image de ça. Mais, dépendamment, si nous sommes des biorobots, ça va faire que cette énergie, c'est l'énergie créatrice, la flèche rouge. C'est l'énergie qui fait, l'énergie créatrice ou les paquets d'énergie universelle ou les émanations de l'âme centrale ou l'énergie de l'âme du créateur, peu importe comment on va l'appeler, c'est de cette énergie-là que tout est créé. Alors là, on se rappelle que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous ne sommes pas une autre entité à part du Créateur. Les Créateurs, c'est nous. Si on veut vraiment comprendre ça comme il faut le dire comme ça. Et ça, si notre soleil est comme gris, blâme, et nous sommes juste des biorobots qui gagnent de l'argent parce qu'il faut payer le loyer. On va créer des rails qui sont tout droits. Notre vie est un mécanisme à la Newton. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'avancement. C'est très plate et on n'a surtout pas envie de revivre une vie comme ça encore une fois. Merci. Pendant que... Où est ma souris? Pendant que si on arrive à ouvrir l'œil intérieur ou de se rapprocher à son âme ou d'accélérer la vitesse de nos pensées, vous vous rappelez, notre soleil brille. Et notre soleil brille de toute évidence, sans condition et sans limite. Et elle
utilise la même énergie créatrice pour créer la vie et non un monde mécanique selon Newton. Comment se les rails, c'est quoi exactement les rails? Ça, c'est expliqué par M. Neville Goddard par la suite. Les rails, ils se fabriquent par nos conversations intérieures. Alors, vous voyez le jeune bonhomme qui est tout à fait pris par lui-même, qui lui donne des directives dans son oreille. C'est une belle photo pour ce que je veux dire ça. Donc, si, là, tout dépendamment, si vous voulez faire des rails, vous faites un discours à votre une conversation intérieure qui est axée sur la soi-disant réalité matérielle. Qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Qu'est-ce qui est dans les journaux? Qu'est-ce que vos connaissances vous parlent? Surtout Facebook et blablabla, bla, bla. Toutes ces informations plan matérielles vont créer les rails. Pourquoi? Parce que c'est déjà matérialisé. Tout ce qui est matérialisé, c'est comme la concrétisation de nos pensées, de nos dialogues intérieurs. Donc, quand vous voyez des choses moches comme la pollution, la corruption, tout ce que vous aimez pas, ça provient des pensées qui sont axées sur la réalité matérielle qui est jusque maintenant moche parce qu'on n'a pas fait la différence assez. Tandis que si on veut faire une différence et on veut vivre dans l'espace que j'appelle la fine pointe plasma, c'est ça le titre de notre émission, je l'ai choisi pour ça. C'est une traduction de mots anglais, de leading edge. Leading edge, c'est le moment présent. Le moment leading edge, ça veut dire c'est un espace infinitésimalement petit et concentré où une nouvelle pensée peut devenir matière. C'est ça. Si cet endroit, il est porté par l'idéal de qui je veux être, ou par l'idéal dans quel monde je veux vivre, l'idéal de ce moment présent, quand ma conversation intérieure est alimentée par ces idéaux-là, je vais créer une vie éveillée. Et je vais m'éveiller moi-même. Ah, tout nouveau. Hein? Prends pas de gourou, non. Prends pas de professeur d'illumination, non. Pas besoin de religion, non. Pas besoin de rien. Juste moi, je peux m'illuminer moi-même, merci. J'ai juste à comprendre la différence quand je souffre et quand je ne souffre pas. Et d'agir en conséquence. Les catholiques et les juifs surtout, ou les bouddhistes, ils sont des maîtres d'être capables, oh, moi, je peux souffrir et ne me pas rendre compte. Je peux me pas rendre compte, soit que je dis, ah, mais c'est comme ça, j'en peux rien. Pour changer ou je souffre pour l'au-delà qui va être le paradis ou je souffre pour les autres. Oui, je souffre pour, je me sacrifie pour les autres, ne pas sachant que je fais ça déjà 30 vies et je suis encore à la même place. Plate, très plate, mais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de rester calme. Ne vous fâchez pas. Ne soyez pas déçus. C'est un moment jouissif parce que après 30 vies de sacrifice, finalement, on peut dire
bye bye, sacrifice, parce que maintenant on vous voudrait déplacer la source de nos conversations intérieures de la misère vers le vœu exaucé. Et c'est justement ça, j'aurais, si elle était là, Carolina, proche de moi physiquement, je l'aurais embrassée quand elle a dit exactement la même chose. Je ne peux presque pas le croire qu'elle a dit ça avec les mêmes mots. Il faut partir, c'est crucial pour les vœux que ça fonctionne, que vous partez ou nous partons de l'endroit où le vœu est déjà exaucé. Et là, quelqu'un a demandé, est-ce que c'est toujours la réalité que le vœu est exaucé? Elle dit, oui, parce que vous ne pouvez même pas formuler un vœu qui n'est déjà pas réalité. Encore. Hein? Alors là, il y a une façon de faire comment transiter du sacrifice ou du biorobot à une vivacité jouissive. Le programme qui nous facilite cela s'appelle Révision de la journée. C'est l'art de révision. Et ça va faire de vous une petite fille joyeuse, comme vous voyez sur la photo. Même si vous êtes des garçons, vous allez aussi devenir des petites filles joyeuses. Donc, le truc fonctionne comme suit. À la fin de chaque journée, vous prenez le temps, vous pouvez très bien faire ça. Moi, je le fais dans le lit parce que je suis tranquille dans le lit et je ne vais pas me lever depuis le lendemain. Donc, ça va très bien. Je peux consacrer quelques minutes avant que je m'endors à la révision. Je laisse passer les 24 heures passées, c'est-à-dire depuis le dernier que j'ai tombé en sommeil la nuit d'avant, avec le matin, le midi, l'après-midi, le soir, jusque je me rends où je suis actuellement maintenant. Je laisse passer revue passer ces 24 heures encore une fois. Et je juge. Oui, maintenant on a le droit de juger. Je juge si chaque moment qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il était idéal ou est-ce qu'il manquait quelque chose ou est-ce qu'il était encore pire, même malheureux. Mais si la moindre chose n'est pas idéale, il faut que je m'en occupe. Il faut que je reste avec et je le recompose. Et je peux le recomposer. Je recompose et là, je trouve pas encore bien. Ça manque encore ça. Donc, je rajoute ça. Et là, je fais ça jusque... Je fais cet exercice jusque... La situation qui est devant mon œil intérieur est exactement idéale. Et ça peut inclure le voyage sans avion, par l'âme, ça peut être nourrir sans manger, ça peut être communiquer avec l'être chéri tout à fait par l'âme, ça peut être 3 millions de choses différentes. Il n'y a pas de limite, les amis. Mais lâchez pas avant que c'est vraiment idéal. Ça, c'est super, hyper, duper important. Et une fois c'est idéal, si ça vous plaît, vous pouvez encore une fois ou deux ou trois fois revivre la même chose parce qu'elle est tellement fantastique. Ensuite, vous allez, avec le temps, vous allez observer un changement à l'intérieur de vous, lentement, un genre d'observateur impartiel va être né et il va même ouvrir sa bouche comme une autre voix intérieure. Alors vous allez, de plus vous allez faire cet exercice, de plus vous allez
automatiquement être capable de beaucoup plus vite et beaucoup plus clair discerner si votre conversation intérieure vous crée des rails qui vous fait souffrir ou sacrifier, ou ça vous crée un chemin vers une illumination. Est-ce que vos conversations intérieures, en autre mot, partent d'un espace de souhait exaucé ou d'idiot réalisé ou du contraire, ou de la réalité sociale, politique, morale, économique, whatever? Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière et faites en sorte qu'elles correspondent réellement à l'idéal que vous voulez incarner dans votre monde. Quand vous faites ça plus souvent, il nous avertit, le monsieur Goddard, que ça peut arriver même que vous vous rappelez de cet exercice pendant votre journée. Vous, par exemple, vous venez de vivre une situation déplaisante. Alors vous arrêtez, vous allez à la toilette ou vous cachez derrière un arbre et vous revivez, repassez, revisionnez la même situation jusqu'à ce qu'elle est devenue idéale. Quand c'est très frais, ça peut être un peu plus difficile parce que toutes vos émotions vont être crinquées vers le négatif déjà. Mais là, vous pouvez flatter votre âme de la forme physique et dire « Oh, je comprends comment tu te sens, je comprends que tu es fâché, que tu es triste, que tu es désolé, tout ça. Mais maintenant, on va faire quelques petits trucs, tu veux, avec moi, et je vais te prendre à la main et on peut se rendre à un autre endroit que tu vas aimer beaucoup plus, ok? » Ça, vous pouvez faire. Et là, vous vous faites repasser jusqu'à ce que vous êtes content. Ça peut aussi être, et ça, c'est très fun, quand vous parlez avec d'autres personnes, ça peut arriver que ces autres personnes, vos amis ou quelque chose, ils disent des choses que vous plaisent pas. Vous n'avez pas à écouter qu'est-ce que la personne dit effectivement ou littéralement. Pendant que l'autre parle, vous changez déjà son discours. Et ça peut donner des... au début, j'ai pensé, si je fais ça, ça donne des discours complètement décousus. C'est même pas vrai. Ça donne qu'on est beaucoup plus écoutant et on accepte plus que l'autre dit parce qu'on a entendu autre chose qu'avant. Et de toute façon, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez entendu ce que l'autre personne a dit vraiment. Peut pas, jamais. Même si vous vérifiez, vous ne pouvez pas savoir. Parce que quand vous vérifiez, vous allez encore une fois juste comprendre ce que vous comprenez de ce que l'autre personne a dit. Donc, vous avez toutes les licences de faire ce qui est proposé. Et à la fin, il dit les mêmes mots Goddard, comme, je ne sais pas, 30, 40, 60 ans avant maintenant, il dit... Parce que vous êtes le créateur. Wow! Hein? Combien de fois M. Cash le dit, Caroline le dit, et beaucoup, combien de fois on le dit nous à nous-mêmes déjà aussi. So, maintenant, je vous invite de faire cette méditation avec moi. Je vais vous guider. Alors, trouvez une place assise ou couchée dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé pendant quelques minutes. Ça va peut-être prendre 5-10 minutes. Et commencez, fermez vos yeux. Prenez une bonne respiration profonde. Et détendez-vous.
Il n'y a plus rien à apprendre, pour le moment. Vous êtes avec votre meilleur ami qui est vous. Il n'y a rien à faire. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez passer depuis la tête jusqu'aux pieds lentement et détendre toutes les parties par lesquelles vous passez. Vous détendez la peau de votre chevelure, le front. Oh, ça fait du bien. Vos yeux sont fermés. Ils se détendent profondément. Le nez, les joues, la bouche, les mâchoires. Tout est détendu. L'arrière de la tête, le cou, la nuque détendu. La relaxation continue à travers les épaules, le bras gauche, le bras gauche, le coude, l'avant-bras, les mains, les doigts, le bras droit, coude, avant-bras et mains. Tout détendu et relax. Votre poitrine se détend. Le bas du dos se détend. De haut jusqu'en bas. Tout votre dos est détendu. Votre ventre également se détend. Votre respiration est devenue très régulière et très lente. Votre bassin, vos fesses, vos hanches se détendent. Votre jambe droite, le genou, puis la relaxation descend à travers les mollets, les chevilles dans les pieds et les orteils. Le même chemin pour la jambe gauche. Les cuisses, genoux, mollets, chevilles et pieds. Maintenant, tout votre corps est détendu. Vous avez le temps, maintenant, tout le temps que vous avez besoin pour laisser passer les dernières 24 heures devant votre œil intérieur. Déterminez d'abord quand les 24 heures commencent. C'est hier, à genre entre 8h30 et 9h le soir en France et hier après-midi entre 2 et 3 heures l'après-midi en Québec. Quand vous rencontrez une situation que vous avez vraiment aimé vivre, revivez-la encore une fois. Comme elle était joyeuse, profonde, élevante. Par contre, si vous rencontrez chaque fois que vous rencontrez une situation qui manque quelque chose pour être idéal, rendez-la idéale maintenant. Et n'arrêtez pas, ne passez pas à la suivante avant que celle-ci est vraiment idéale.
Rappelez-vous que vous pouvez tout changer. Il n'y a aucune limite à cet exercice. Et engagez surtout votre émotion. Ressentez quand vous êtes transformé, revisez la situation et c'est important de se baigner dans cette situation le plus important. L'émotion que la nouvelle situation qui est maintenant idéale. Oui, bon, c'est comme ça longtemps encore. C'est vraiment un exercice sans compromis. C'est juste vous pour vous. Et c'est juste vous qui pourrez savoir c'est quoi l'idéal pour vous. Il n'y a aucune autre mesure que vos émotions. Maintenant, doucement,
cette méditation va prendre fin. Revenez dans votre corps. Vous sentez comment vous êtes assis ou couché. Ressentez votre corps. Remerciez votre imagination de vous avoir aidé, procuré tout plaisir. Et laissez les mots que je vais vous dire avec vos voix intérieures. Laissez ces mots vibrer dans votre âme. N'est-ce pas merveilleux? Merci. Et là, prenez trois grandes respirations pour vous rendre encore une fois dans le moment présent, dans ce monde-ci. 1, 2 et 3. Et maintenant, laissez vos yeux se ouvrir doucement. Vous trouvez la description et la logique, si on veut, de cette méditation dans le PDF imprimé. Le PDF tout court, si vous voulez, aussi avec le lien pour le texte original de M. Godard. Avez-vous des questions et des commentaires? Déjà? Non. Moi, j'avais une question, mais qui date d'il y a un petit moment déjà. C'était un peu dur de revenir de la méditation. Et, j'avais pas très, très bien compris comment le CO2 peut permet de ne pas stériliser des animaux, des chattes, des chiennes. Tu as parlé de ça au début. Oh. Ce n'est pas une intervention qu'on fait avec le CO2, c'est juste quand le champ plasmique, la présence du gaz CO2 s'augmente sur la planète, les animaux sont généralement plus sensibles à des phénomènes comme ça que nous, parce qu'ils n'ont pas de tête. Ils occupent toute la journée. Donc, les chiens et les chats de ruelle, on va voir que leur procréation s'équilibre. Dans la nature, c'est toujours la population d'une espèce est limitée par les ressources, comment cette espèce peut se nourrir. Et c'est toujours, jusque maintenant, c'est plus un combat qu'autre chose, mais avec le GANS, tout devient plus paisible et les chats et les chiens de ruelle se procréer moins. Et à ce moment-là, il y a moins de chats et de chiens dans la rue. Une génération ou deux après. C'est ça ce qui était dit. Ok. Je comprends mieux. D'accord. C'est pas une intervention qui remplace la stérilisation. C'est pas ça. Mmh. Merci.
S'il n'y a pas d'autre chose, je vous dis merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup. À la Bonsoir. Merci surtout. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonne nuit.